Je suis au sud de la Guadeloupe. Je vais rejoindre la Martinique. Il y a une tempête tropicale qui arrive sur la Guadeloupe et qui risque même de passer en cyclone de type 1. Là, on voit le sud de la Guadeloupe. Il pleut en ce moment là-bas. Il y a un gros grain qui s'est formé. Là, je suis parti des haies ce matin, donc j'ai passé la journée pour descendre au sud de la Guadeloupe. Ça avance pas des masses. J'ai le vent de face, donc je suis obligé d'aller au moteur. Et je pense que j'ai du courant aussi de travers, donc ce qui arrange pas les choses. Là-bas, on a les Saintes. Je voulais passer la nuit aux Saintes, mais il est trop tard. Il fera nuit quand j'arriverai, donc je continue. Comme ça, cette nuit, j'avancerai. Et puis voilà. J'ai pu enfin mettre les voiles. Là, je tourne à presque 6 nœuds. Donc, ça va. J'arrive en vue de la Dominique, donc je vais la passer de nuit. On a de l'eau à 30,2, 30,3. Ça craint là. Je suis au pied du Mont Pelé. Alors j'espère que c'est pas lui qui se réveille. Le Mont Pelé dans toute sa splendeur. Là, le Cap Nord Martinique. Eh oui, vous ne rêvez pas.
Il est en train de me doubler, mais à une vitesse incroyable. Là, on a vraiment le vent de face, donc c'est quand même compliqué d'avancer. Hein. Je suis à environ 4 nœuds et j'avance vraiment pas vite là. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Un remorqueur qui était sur une route de collision, j'ai pris 20 degrés sur tribord. Mais bon, je pense qu'ils m'auraient pas rentré dedans parce que c'est des experts. Hein. Sympa. Retour à la case Alan ou à lance départ, non l'inverse, à la case départ, lance Alan. Enfin bon, voilà, je reviens à lance Alan et puis bah ça va, là je suis à la voile, j'ai le vent de travers, mais pour revenir de Guadeloupe c'était compliqué, vent de face pratiquement tout le temps, donc beaucoup au moteur. Crossag, qui va diffuser le bulletin marine côtier pour la Martinique sur la station du marin, canal 79. Là c'est le calme avant la tempête. Dans 2 à 3 heures ça va commencer. Et ça, je pense que ça va être costaud. Donc on va voir. Passer, ma foi c'est ma première tempête, hein, on va inaugurer. Là c'est vraiment calme. Là c'est la deuxième ligne d'encre que je vais mettre en place. Donc je vais l'emmener avec l'annexe. Il y a 30 mètres de chaîne et 100 mètres de câble. J'ai mis une deuxième encre derrière la ligne principale à 10 mètres. Bon, j'espère que ça va aller. Il y a encore pas mal de bateaux au mouillage. Je ne suis pas le seul, donc déjà ça rassure. Là, j'ai mis deux lignes de mouillage avec trois ancres. On va voir ce que ça donne. Une ligne normale avec deux ancres et puis celle-là c'est une ligne que j'ai mis en travers, elle est ancrée au moins à 100 mètres là. Tout barricadé. Aucune entrée d'air. Voilà, j'espère que ça va venir. Le canot est
il est scotché. Barbattage de partout pour protéger si un bateau vient me frotter. J'espère juste qu'il viendra pas contre devant, parce que là s'il vient devant ce sera la catastrophe. Voilà, donc là grand calme, et dans 2 heures ou 3 heures ça va être costaud. Ils annoncent 120 à 140 km/h de vent. C'est limite tempête de type cyclone de type 1. On va voir. Voilà, tout le monde se prépare, tout le monde s'est préparé. Surveille. Voilà, il y a eu des pointes à 30 nœuds pour l'instant, là, ça vient de commencer. Mais bon, ça va, rien de grave. Pour l'instant, ça va. Bouger un peu, hein, il y a de la houle, mais c'est vraiment léger la houle, mais ça bouge. Au loin, on voit les lumières de Fort-de-France, donc ça veut dire qu'il pleut pas du tout là, pour l'instant, mais le vent souffle relativement pas trop fort. Entre 20 et 30 nœuds, bon, ça va encore, hein. C'est supportable. On voit Lansalane, les lumières de Lansalane. Pour l'instant, elles sont toutes allumées, donc il n'y a pas de coupure de courant. C'est bien. Mais pas de pluie. Le vent, ça va. Voilà, pendant la tempête, ben il faut s'occuper. Alors je fais le film de la Guadeloupe, enfin un des films de la Guadeloupe. Et puis je me mange une bonne pizza avec une bonne bière. Voilà, donc et oui, il faut s'occuper. Bon, le temps passe, la tempête passe aussi, et puis ben, demain il fera beau. Voilà ce que je réveille. Dans la nuit, ben moi je suis allé me coucher et on a eu jusqu'à 36 nœuds de vent. Bon, ce qui n'est pas exceptionnel. Donc la tempête est passée beaucoup plus au sud.